Il me faudrait une armure moyenne. Oh, mais elle est niveau 1. Nul. Mannequin d'armure AB, c'est besoin de créer toute pièce comme bon te semble. Ouais, faut dès que. Je pense qu'à la fin du jeu, si je. J'oublie pas, je vais. Mais c'est long ça, à sécher quand même. Faut pas que je mette de feu en dessous, hein. Non, sinon il aurait marqué. Il aurait marqué. Prendre de la viande et accrocher pour la faire sécher. La viande séchée ne pourrit jamais, mais elle donne un peu de soif et un peu. Non. Passerelle de jardin, une petite passerelle de terre qui permet de faire pousser différentes choses. Et ça, je l'ai jamais fait. Mais j'ai jamais eu de graines en vrai. Attends, et du coup, là, avec la moisissure, je peux faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire avec de la moisissure? Ah, je l'ai du coup. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai que j'ai débloqué une nouvelle formule. Là. Filtrage plus soif. Ah d'accord, je peux le faire avec des choux de biceps. Ok, donc et le filtrage, c'est quoi? Filtrage, 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 filtrage. Protège de tous les dégâts et effets des gaz. Mais combien de temps? Elle est bien, hein? Mais combien de temps? Bon, du coup, alors attendez, j'en étais à. J'ai deux bouffes pour demain. Ouais, je pense qu'il me faut absolument le trampoline. C'est clairement ce qu'il me faut. Bon. Programme de demain. Programme de demain. Partir à la canette pour prendre la dent. Partir au voir le robot. Robot lui échanger l'autre coup de dent, on va sûrement prendre des dégâts. Et après on part ici, on essaie de monter sur cette table. Je pense que c'est bon, parce que je crois que ici, si je dis pas de conneries, c'est un petit peu plus surélevé, donc j'ai juste à mettre le trampoline là et down. Oui, je sais que je le fais bien. Et ça devrait le faire, qu'en pensez-vous? Cuir de baie. Un truc. Ah, il y a encore un truc que j'ai jamais vu avec le cuir de baie. Et après, faut vraiment que je défonce un moustique. L'aiguillon de moustique, ça peut être trop bien. Ah oui, dans état, je vais enlever ça du coup parce que je joue pas la lance. Je vais mettre ça. Oh, les mutations, je sais pas comment on les a. J'ai vu qu'avec la. Avec les dents blanches, si je dis pas de conneries, on peut avoir. On peut avoir. Pour augmenter les effets de. Les états, une mutation en plus. Et en vrai, je dis pas non. Ah, du coup ça se stack. Alors ça par contre c'est bien. On y va. Alors attendez, est-ce que j'ai ce qu'il me faut? J'ai 17 flèches. Ok, allez c'est parti. Bah non, sur le passage. J'ai vu de l'eau là ici. Celui-là. Nice. Oh bah tiens. Une petite flèche. Bon, maintenant, dès qu'on voit une dent. Ah, même pareil, le. Comment s'appelle le chewing-gum, je vais pouvoir le récolter, non? Je pourrais récolter tellement de trucs.
Ça y est, mon perso va step up. Vous promets, je step up là. Je crois. Alors, j'ai des bandages, j'ai ça, j'ai rien oublié. Hein. Non, j'ai de la bouffe, j'ai de l'eau. J'ai de quoi faire deux trampolines au cas où. En vrai, ça devrait le faire. Eh, ça va? J'ai le droit de vivre un peu ou pas? Ok, tout va bien. Pareil, par contre, de la sève, va falloir que j'en farme dans pas longtemps parce que j'en ai plus du tout. Voilà. Là, logiquement, il y a une gentille petite dent qui m'attend là. Oh la perte d'FPS. Oh, je suis à 3 FPS. Oh. Mic Molar. Oh, pourquoi ils ont appelé ça un Mic Molar? Putain, elle est énorme, elle est dégueulasse. Même je crois qu'elle avait sous l'eau et tout, enfin. Le problème c'est que j'en ai tellement croisé plein que je sais même plus où ils sont. Bonjour toi. Voilà. Voilà, mutation. Ah, il m'en faut 3. Santé max, endurance max, j'ai besoin de la barre de soin, j'ai besoin de la barre de faim. Et après t'as le groupe du coup. Le groupe, j'ai augmenté de des ressources. Sais pas du coup. Parce que la mutation, je me dis, je peux avoir 3 mutations, c'est vraiment pas dégueu. C'est vraiment, mais vraiment pas dégueu. Je pense que je vais tempo la mutation. Ou alors je mets de la santé ou de l'endu. On va rester comme ça. Je vais prendre. En vrai, 3 mutations, ça fait que je pourrais prendre deux trucs que j'ai là. L'endurance. Je sais plus ce que c'est. Enfin, je sais que ça touche l'endurance aussi. Plus en plus de ça, mettre des dégâts sur mon arme. Ok, bon bah go, hein. C'est parti, on retourne là-bas. Elles sont vraiment bien faites les araignées. Hein. Oh, regarde ça quoi, elle est horrible. Elle est horrible. Par contre, les araignées, celles-là, là, elles me défoncent de ouf, par contre, ça c'est sûr. Mais je sais pas si. Une technique pour les défoncer ou que nénuze, quoi. Là, je me dis, diminution de la barre de faim, diminution de la barre de soif, c'est pas. Juste là. Je l'ai un V1, elle. Quand elle veut, je la défonce. Non, ça va, je rigole, quel bouton. Le 3/4 du temps, je joue au gourdin. Et je sais qu'il y a une amélioration pour faire plus de dégâts au gourdin. Donc, si j'ai 3 trucs. Je les ai déjà défoncés là, pour s'en aller dedans.
Je sais pas si la clé elle se met dans mon inventaire ou pas. Je me dis autant aller chercher la clé tout de suite parce que je sais où elle est. Mais le problème c'est que si elle se met dans mon inventaire, j'ai perdu une place pour rien quoi. Donc il faut que j'aille au bac à sable. Mais bon, après, si j'arrive à monter, ça veut dire que je vais devoir redescendre pour aller prendre la clé pour remonter. Allez, on va chercher la clé. Ah, c'est bon, ça passe. That was refreshing. Même là, il y a cette pelle. Bon, elle est bien mignonne cette pelle, mais qu'est-ce que j'en fais? Ok, y a juste rien à faire en fait, mais je comprends pourquoi c'est un lieu marqué du coup. Voilà ce qu'il faut faire en fait. Voilà ce qu'il faut faire en fait. Faut. Et après, elle va tomber sur la table, effectivement. Ouais, en fait, faut péter, il faut un explosif. Et le problème de l'explosif, c'est qu'il me faut. Œuf de fourmi rouge. Un œuf de fourmi rouge prêt à éclore. Empêcher les œufs d'insectes d'éclore en les détruisant directement sur place ou depuis ton inventaire une fois ramassés. Il me faut ça. Donc en fait, je suis venu là pour rien, du coup. Pas pour rien, mais je veux dire, c'est. On va quand même aller prendre la clé. Bon, du coup, faut que j'aille. Faut que je trouve une grotte. Mais là, le problème, c'est que la grotte qui est là, je l'ai déjà faite et. Ok, je sais dans quelle grotte je vais aller, du coup. Peut-être qu'à côté de, à côté du chêne. Mais pour ça, il me faut une torche. Du labyrinthe du Minotaure. Ah! C'est pas celle que je pensais. C'est pas du tout celle que je pensais. Je pensais que c'était la clé de la douve. Ah! Ah bah tiens, ça me... Ok. Bon, d'accord que les œufs de fourmis, c'est dans les... Ok. Dans leur grotte, hein, on est d'accord, hein. Moi je vais aller à côté du chêne là où j'étais là. En fait là je viens de me taper un aller-retour. Bon j'ai pris la clé au final. Et après j'ai tout ce qu'il me faut ou pas pour... Moi j'y suis. Ouais. J'en ai 6, je pourrais en faire 3. Oh putain elle est énorme. Je suis où là? Ah d'accord, ok, il y a un... Mais c'est full moustique là-dedans, mais tu t'approches... Là, je m'approche pas là-bas. Hein. En tout cas, si je vais aller fermer les moustiques, je sais que c'est là, mais... C'est les bombardiers, bon, ça on connaît. Ça va le faire. Pas parce que cette grotte je l'ai faite hein, c'est sûr et j'en ai pas vu des nids. Ah.
Ah, je me suis fait chier à couper, j'aurais pu ramasser au sol. Il m'en faut 9. 3, 4, 7. Il m'en faut 2, je crois. Quelle galère. Quelle galère, quoi. Et là, je crois que j'ai assez pour me faire une torche. Ah, il me faut la save, ok, à la fin. Ok. No women crime, but it's better than nothing. Il veut full lemon. Il veut full boisson sucrée, lui. Ah, il y a une save là. Alors. Ah oui, les cordes, faut que je les fasse. Ah, je pensais qu'il m'en fallait. Ok, pas du tout. Et c'est une petite torche qui va être craftée par le joueur français. Alors. Dans les états, on va mettre. On enlève ça. On enlève ça, on va dire qu'on connaît bien les fourmis. Et en plus de ça, je fais trop de dégâts à la lourde. All right, Shadows. What you got now? Oh, la Quartix, c'est là. J'économise ma torche, hein. Allez, tape. Enfin, trop bien quoi. Là, ça veut dire que je pouvais me faire la forge et améliorer mes armes. Pas vraiment là, y a que ça? Alors pas parce que je l'ai pas vu ça. Il y a une dent ici. Ok, il y a une dent, je suis dessus.
C'est-à-dire qu'il y a un autre chemin? Ah, c'est peut-être là d'où je viens, ça. Ouais, c'est de là d'où je viens. Hey there, buddy. Donc moi je suis parti à droite, on va essayer de trouver un truc à gauche. Ok, il n'y a qu'un passage, il est à droite. Il est là, là. Les dents, depuis que j'en ai cassé une, à chaque fois que j'en regarde une, elles me font perdre d'FPS, c'est insane. Ouais, bon, je sais pas comment on l'a celle-là. Oh bah c'est pas là-dedans, j'ai pas trouvé d'œuf, malheureusement. J'ai pas trouvé d'œuf donc je sais pas. Elles dorment là les fourmis rouges. On va passer s'il vous plaît, merci. Je comprends pas. C'est pas là-dedans, je vois pas où ça peut être, hein. Du coup j'en ai combien des... Oh j'en ai masse. Oh j'en ai beaucoup trop. Nice, bon vas-y, bon on va aller à la maison, on va aller rentrer ça, on va rentrer, on va... On va donner ça. Par contre ouais j'ai un petit problème. Bah, il me faut absolument... Un truc de fourmi, mais si c'est pas dedans c'est quoi alors? Du coup c'est où? Ils sont mignons eux. Après, je t'avoue qu'il y a une coccinelle au fond, donc je pense qu'elle s'est. Elles vont où, eux? Chez moi? Les pucerons qui me suivent. J'ai rien à... Non. Un peu haut. Un peu la crise, oh. Ok, non, pas là. Je pense que le Kela c'est la première que je vais essayer de me faire. Pas tout de suite hein, parce qu'en vrai l'araignée elle me défonce. Je pense que je le ferai quand j'aurai une meilleure je vais dire un meilleur arc, mais même l'arc en fait je peux pas, faut que je tue celui-là pour avoir l'arc. J'aurai peut-être un meilleur stuff parce que là je t'avoue que j'ai le stuff en gland. Bon du coup hop hop, parce que ça me sert à rien du coup. Ok.
Excusez-moi. Voilà, du coup, on peut faire, si je dis pas de bêtises, la forge, enfin quoi. Ah, il faut deux sèves. Je crois que j'ai plus de sèves. J'ai plus de sève. Est-ce que j'ai le seum? Mais oui, mais oui. J'ai complètement le seum. Ah ben là, il y en a. Voilà, oh, il y en a masse là. Demandez. C'est bon? Je suis juste venu récupérer de la sève, hein. Tout ce que je voulais faire. Y a de l'eau là? Il y a deux grosses gouttes d'eau là, c'est cool ça. Je vais en perdre une des deux de toute façon. Voilà. Ah, les deux comme ça, au moins c'est drôle. Je n'ai pas le droit de. Tastes good. Au final, le trampoline, il a servi, hein. Alors. Ça, on va la placer où la forge déjà? Oh, c'est petit, c'est mignon. C'est petit et c'est mignon la forge. Cadre rudimentaire et une tige. Tige, elles sont là. Quatre cordes. Bah, parfait. Exprès. Alors, utiliser. Action Y. Non? Dégâts plus 10%, résistance plus 10%. Le gourdin. Le fameux gourdin. Alors. En soi, c'est ma principale source de dégâts en soi. Donc je vais l'améliorer. Voilà, c'est tout. J'améliore 20%. Comme ça, au moins, je peux plus l'améliorer. Ça, c'est cool. Ok. On va le foutre là. Sur ma viande séchée, c'est toujours cool de l'avoir. Je vais me refaire une torche. Et on va repartir. Bientôt la nuit. On va essayer de voir si on peut farmer un peu de bouffe. Attends que la nuit arrive. Il y a de l'eau. Eh, je crois que fin de soirée comme ça, les petits trucs verts, là, les pucerons là, je crois qu'il n'y en a pas. C'est très rare que j'en vois le. Vous en entendez déjà? Ah, il y a une dent là-bas. Autour d'eux, comme par hasard, elle est gardée par une araignée, ça c'est pas drôle. Du talent, hein. Là qui vont dire que c'est de la chance et du talent. Hein.
Bah écoutez, je crois qu'il n'y a pas de bouffe hein, pour ce soir. Hein. Il n'y a pas de bouffe, hein. Il y a zéro bouffe. Hein. Promets que toi un jour je te défoncerai. Une araignée là. Mais comment t'es censé la voir avant? Ah! Armament Practical Technologies, Dr. Wendell Tully, Science. Armament Practical Technologies, Dr. Wendell Tully, Household Liquids, Gels and Aerosols Division. That is where my PhD is going now. Kaminsky works here, and he's an idiot. With the pay cut, I've been reduced to substituting at the local school. How many times can one person be expected to explain the difference between a vector and a scalar? If it has direction, then it's a scalar. I mean, a vector. Oh! I swear the ignorance around me is contagious. Attendez, parce que du coup, je me dis... Does a normal teacher do anything? No wonder my inventions cannot be appreciated. Our society no longer understands science. Elle dort encore, hein? Mais va te balader là, je sais pas. Genre. Je les aurai un jour ces points. Hein. Je les aurai, hein? Bon, vraiment pas de bouffe du coup. Allez, bon, on va aller faire l'autre grotte hein, là-bas. Hein. Deuxième grotte que je connais. I'm not picky. Ma gueule. Non mais regarde ce que ça rend. Bon, ça pourrit pas, hein, c'est bien, attention. Hein. Ça pourrit pas, hein, mais... Bon, c'est... That was refreshing. Elle a pas bougé d'un centimètre quoi. Mais elle me... Putain mais... Non, c'est depuis. Non, ça me paraît trop beau. Ça me paraît trop beau quand même, c'est que c'est depuis cet arbre que on peut aller là-bas. On va essayer en vrai. Il me reste combien de... Assez pour y aller. Mais... Oh là là! Allez là. Ok. Nice. Peut-être, ah, trop loin, beaucoup trop loin, ouais. Non, beaucoup trop loin.
Rien à ce que... Mais je crois que là c'est la zone toxique hein, là-bas. Bon, bah écoutez. Oh, faut que je fasse gaffe, j'ai pas de bouffe. J'ai vraiment zéro bouffe quoi. En chasse comme ça au moins je peux me mettre bien pour comment ça s'appelle, puis je pourrais crafter vite fait un feu de camp si vraiment c'est la crise. Ah, attends, alors on... Ouais, tu m'as mis non, mais toi, casse-toi. Ouais, 3 boucles, c'est bon. Ouais, ils sont toutes vénères contre moi, les fourmis. J'ai mis une patate à une fourmi, ils sont toutes vénères contre moi. Je check vite, peut-être j'avais oublié un truc vu que j'étais là au début. Alors, à gauche. Pas où ils sont ces bulbes hein. Je enfin c'est, on est bien d'accord que les œufs de fourmis c'est bien dans les grottes, je suis pas fou quand même. Un truc qui dort, un life ou toi. T'es nul, tu m'as loupé. Ah! Ok, c'est bon, je me suis fait karma instant. Je me suis fait karma instant. Mais putain, mais. Bloqué par tout et n'importe quoi, c'est insane. Et pourquoi tu m'expliques pourquoi il y a une colonie là ici? Tu m'expliques? Allez go, on va défoncer des moustiques là. Des moustiques, on va défoncer des araignées. Oh là là, des fourmis. On va leur montrer de quel bon on se chauffe chez nous. Ah, par contre, peut-être que je me heal du coup. Enfin, je pense que c'est. Je prends un transdiki ou pas? Ses yeux là, tu comprends rien. J'arrive pas à régénérer mon endurance, c'est juste ça le problème. Mon endurance, elle met toujours 10 ans à se régénérer. Quand même, une heure à se régénérer.
J'ai rien à manger, mais vraiment rien. Bon, on va faire la technique à la Izu. Attends, vraiment, je viens d'en trouver et je viens de tout niquer. Ils disent détruisez-les pour les empêcher d'éclore, mais ils se foutent de ma gueule ou quoi? Ce que je viens de faire, ça les a fait disparaître. Bon, attends. Il n'y en a qu'une qui me fait chier là. J'ai le seum parce que je viens de les trouver. Ou alors faut que je me bouge le cul. Prends la torche s'il te plaît. Merci. J'en ai 15, ça fait qu'une bombe, hein. Je me barre. Je mange aussi là, c'est horrible. Colonie ici, hein. Ok, c'est bon. Fouf, ça fait galérer. Ouais. Pas, on a le temps de rentrer à la maison. Les champignons, tout va bien, toi, les champignons, résiste, résiste, il y a les champignons. Là, il se pose pas la question de savoir si c'est des comestibles ou pas. Le problème des viandes pas cuites, du coup séchées, c'est bien parce que ça stack, mais ça donne pas beaucoup de bouffe. Yo Météor, ça va ou quoi? Comment qu'il va le BG Météor? Bien et toi? Bah écoute, je fais des cauchemars dans un jeu vidéo quoi. Dans mes cauchemars, je vois une église, un camion qui se lève, enfin, je comprends pas trop mes rêves. j'en ai marre. Ouais. Y'a la revanche ce soir ou quoi, t'es chaud? Mais comment il faut pour courir plus vite que moi? Non mais...
de ouf. Non mais en fait, je crois qu'hashtag c'est en train de le rendre ouf en fait. Je crois que c'est en train de le... Je crois que mentalement, hashtag c'est en train de le... En train de le tuer intérieurement, je crois. J'ai une bombe enfin! Nom d'une quenelle, j'ai enfin une bombe! Mais je crois vraiment qu'à deux, c'est un peu plus facile. Bah, en fait, c'est ce que je me dis. En fait, je ne pense pas qu'il y ait moins d'élites, mais je pense qu'ils sont moins résistants. Non, qu'en penses-tu? Quand on a deux gros, quand on a deux gros, genre je veux dire, la piqueuse, je lui mets 3 balles, le mec avec son bras là, lui je lui tire 3 fois dans le point faible, il tombe. Mais enfin, t'imagines quand même que c'est censé être un jeu à 4, hein. Imagine à 4, si c'est vrai. Ouais, mais le snipe à 2, le snipe à 2, c'est pas possible, Meta. Pas possible. En fait, c'est soit je joue avec. Si on est à deux, faut des glaces, je joue à doubles armes. Sniper et fusil d'assaut. Mais au final, je vois que à deux, je fais énormément de dégâts au fusil d'assaut. Donc autant jouer que fusil d'assaut, quoi, tu vois. C'est. C'est un peu. Mais en vrai, ouais. Faut le passer, ce niveau, il me rend fou. Hein. Ça sera jamais, gros. Je veux dire, en plus, les deux prochains ils sont simples. Enfin, je crois. Enfin, lui d'après, c'est sûr, il est simple. On arrive à la fin avec hashtag. Ah non, putain, mais non, qu'est-ce que je dis? Lui d'après, c'est quoi le niveau d'après? C'est la mine. C'est la mine où faut courir là pendant 20 minutes. Tu vois cette mine là, là? C'est ça, là. Les zombies ils arrivent en boucle, il faut fermer les mines. Faut fermer les mines pour qu'ils arrêtent de spawn mais ils continuent à spawn devant. Merde. Mamma mia! Avec les barils, ouais mais il y en a pas tout le temps en fait des barils pour péter les portes. Les trucs. En vrai moi ce que je fais c'est que je rush en vrai. Ouais, après t'as le truc avec les obus et le canon, ouais, mettez un. Mais en vrai ça je pense qu'on peut gérer relativement vite. Parce qu'il y a une sulfateuse dessus, je sais pas si t'avais vu, parce que nous on l'avait vu tard, mais t'as une sulfateuse. Il est quelle heure? Vas-y, il est 400. Je vais faire max de bouffe séchée. T'as une sulfateuse. À droite. Du canon. Moi je me spé en mode. Moi je me spé en mode. En mode vitesse d'utilisation. Genre j'ai tout pris pour vitesse d'utilisation, genre 125. J'avais calculé, j'ai 200% de vitesse d'utilisation. Il y en a un qui se met à la sulfateuse. Et on bip bip en boucle. On bip bip. Au début je tire 2 boulets de canon, je bip bip. Et en fait l'autre qu'il a la sulfateuse. Et il focus que les gros. Avec la sulfateuse. Et sinon, bah, les bip bip font le taf, tu vois, une après une. J'envoie un bip bip, j'en aurai deux sur moi. J'en aura deux sur toi si on est ensemble. Du coup, après, si on a un peu de chance, il y a 4
Y a, en fait, au sol, tu peux mettre que. Ah non, mais non, il faut en tirer 7, je crois, ou 8, je sais plus, mais je trouve qu'il y en a masse à tirer. Et je sais qu'autour, déjà, on peut en avoir 5 ou 6 déjà autour de nous rapidement, tu vois. Juste qu'arrive un moment, il y a l'ogre qui pop. Et quand l'ogre pop, là, ça devient un bordel. Oula, non. Après, faut passer l'église. Ouais, d'abord, faut passer l'église. Non, c'est pas 5, metteur, c'est en recrue 5. 5, c'est en recrue. 7, c'est en vétéran. Ah nickel, tu as assez de bouffe. Et du coup en cauchemar, je sais pas c'est combien météor, ça doit être ouais, ça doit être J'espère que c'est pas 10, parce que si c'est 10 gros on n'est pas bien, je te le dis tout de suite hein. Si c'est 10 on n'est pas bien. En fait dans les strats et dans les objectifs comme ça à faire, le mieux c'est d'être à 4 parce que c'est plus simple en soi Mais le problème, c'est que si t'es à 4 et que le concasseur il a 1,5 million d'HP et que tu mets des 30 par tir, bon. Tu vois, t'es un peu en mode bon les gars, vous êtes bien mignons, mais. Que le problème, c'est pareil, même quand on est à 3. À 3, le seul problème qu'on a, c'est dès qu'il y a un élite, on le focus à 3 et du coup, les zombies ils arrivent, ils nous défoncent. Du coup, c'est un peu bon. Voilà quoi. On est enfermé. Oh bah ouais, c'est une arène. Mais tous les zombies arrivent de devant et de la gauche. Et un peu de la droite aussi. Et de derrière, je crois aussi. Oh, bon, en fait, en gros, c'est de la merde. Ils arrivent de partout. Je me tâte à refaire un deuxième séchoir à viande. On séchait deux fois plus, mais ça prend sa mère de place en vrai ce truc là. En vrai, je vais les foutre en haut ça. C'est quoi qu'il me faut pour faire le séchoir à viande? Bombardier, il y en a à côté des bombardiers, go. Du coup, même kite. C'est pour ça, en fait, je pense que le mieux c'est de bip bip en fait. Et juste les spéciaux vu qu'ils sont pas pris dedans. Mais putain, mais comment il peut louper le coup, quoi? De pucerons là qui me font chier. Du coup ouais, je pense c'est
J'en mets 3, bip bip, 3, bip bip, 3, bip bip, 3, bip bip. En fait, faut juste aller prendre les plus loin et ramener les obus au sol. Je crois qu'il faut en mettre que 5 maximum par terre des obus, ou 4. C'est ramener les bip bip, les trucs les plus loin. Je vais devoir en tuer 3 vraiment là. Ok, j'ai un peu de chance, la coccinelle est avec moi, je crois. Ok, la coccinelle est morte. Je me barre. Je me barre, je vous promets, faut que je me barre. Il y a un puceron qui me saute dessus, je meurs là. On peut en discuter. Hein. Du coup, je pense que c'est la strat, Meta. Après, à voir. Et après, bim, acte 2. Et on va roter du sang. J'ai une tête d'araignée. Oh, j'ai une tête d'araignée. C'est trop bien ce qui se passe. Et j'ai assez pour refaire un... Oh là 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 là. Genre, je sors de cet endroit. Mais comme un dieu. Ok, je vais aller prendre 6 cordes. Ok. Là, je suis trop bien là. Je suis trop trop bien. Vraiment. Genre. Alors attendez. Ne panique pas, tout va bien se passer. Ah, faut que je le ramène là-bas. Ça, je vais le foutre là parce que j'en ai. C'est rare. Ça, ici. Il va falloir que je le ramène là-bas. Au niveau des popos. Il reste que 5, faut que j'en recraft. J'ai tout nickel. Hyper réactivité. Ah, il me faut des algues. Aïe 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 aïe. Il faut que j'aille chercher des algues. Bon, après, je me dis, il m'en reste encore 5, donc ça va. C'est-à-dire que j'ai un truc. Au niveau des bandages. Bandages, je crois qu'il me faut du. De la sève. Il faut que j'aille farmer la sève. Il est quelle heure là? 9h37, je vais y aller. Dès que je me réveille, j'y vais. En fait, j'aimerais juste que ça se termine. Bon, ça se terminera. De la merde du coup. On est courant que j'ai tous fait. On est tous d'accord pour dire que j'ai fait de la merde là. Bon. Allez, go 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 go, je veux dormir. Nice. Là, trop bien parce qu'avec la tête d'araignée, je crois que je vais pouvoir me faire. Alors, enfin, la tête de coccinelle, c'est pas la hache. Ah si, c'est la hache! Et oui, donc là faut que j'aille redéfoncer des bombardiers. Ok. Ok. Ah, si tu dis pas de conneries, voilà, je vois un truc beaucoup plus proche.
Ce qui me frustre le plus dans ce jeu, c'est ça là. Quand les gouttes tombent et elles se pètent au sol, tu sais, en mode tu me vois, mais tu me rates pas. L'araignée n'est pas là. Ah, attention quand même. Il m'a pas vu. Et par contre, après les prochains de l'acte 2, Meteor, je sais plus du tout ce que c'est par contre. Les missions, je m'en souviens même plus. Je sais même pas ce que c'est en vrai l'acte 2. Tellement farmé l'acte 1 en vétéran que je sais même plus ce que c'est. En cauchemar. Oh, coccinelle, placement coccinelle. Oh, nice ça. Faut que ça me donne plus de 20. Quand ça, au moins je up. Mais je pense que oui. 30. Qu'est-ce que j'ai bloqué? Cuirasse de fourmi noire. Oh là 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 là. Bon, par contre, des points, j'en ai 9200. Et du coup, ça veut dire que. Là, je vais prendre la hache niveau 2. Mais putain, mais. Oh là là! Genre vraiment, c'est chiant là! Genre c'est bon, il court plus vite que moi, genre! Il te suit jusqu'en enfer le truc, genre! Ouais, mais en plus, c'est ce que, comme il disait Hashtag hier, il disait le problème, c'est qu'en fait, il y a des missions qu'elles sont. Que nous, en vétérans, elles étaient cancer. Alors en cauchemar. En fait, je sais pas si mentalement je suis prêt en fait. Alors. Ok, donc ça c'est mignon. C'est rare de ouf. En vrai, là je suis bien. Hein. J'ai la bombe pour aller faire péter là-bas. Oh, j'ai trop de trucs bien en vrai. Là, faut que j'aille tuer les bombardiers là du coup. Au bombardier. Il m'en faut juste 3. Ça veut dire que là, dans le premier que je vais tuer, j'espère qu'il va m'en donner 3. Après, il est tout seul, hein. Je crois qu'il en reste plus qu'un, mais bon, je pense que ça a dû repop vu que j'ai dormi. J'ai pas d'énergie. Sur lui. Le stun, j'arrive pas à le stun. J'en ai en 3. M'en a donné 2. C'est qui m'en a donné 2? J'ai le seum. J'ai le seum. M'a donné 2. Je sais même plus où il y en a. Je crois qu'il y en a vers là-bas, mais. Aïe 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 aïe. Il m'en a donné que 2. Mais là, je les ai tous défoncés. Donc, du coup, en vrai, je sais pas si. Y'en a pas un qui s'est un peu éloigné. Attends, maintenant je te mets 2 coups, je te défonce quoi.
Vas-y, je vais faire un manger, j'ai AFK, envoie un message quand t'es chaud. Ça marche, ça marche, Météor, bonne app. Ok. Bon. En vrai, ça m'aurait arrangé de ouf que j'ai la hache, comme ça moi pour la bouffe et tout ça aurait pas été un problème parce que là-bas j'aurais pu farmer dans la poubelle, il y avait de basse bouffe. Sauf que le problème qu'il y a, déjà faut que j'aille chercher des algues. Là faut que j'aille chercher des algues donc. Attends mais je crois qu'en état je suis encore en tueur de fourmis hein. Mais putain mais. À réparer ce qui va commencer à tout me détruire hein. Bon je vais chercher des algues sur la route je passe voir le robot parce que du coup j'ai 3 pour avoir un effet actif en plus et il y a un truc il y a un truc que je voulais faire en plus sur le passage. Ah oui, prendre de la sève. Prendre de la sève. Comme ça, moi, l'actif en plus, j'en aurai 3. Et ça, comme ça, je garde les deux là que je suis là pour courir vite et aller loin. Enfin, pour courir plus vite et moins niquer mon endurance, je crois. Putain, mais ce pré-shoot de l'enfer qui m'a mis, lui. Oh. Il y a un bombardier en face. Il y a un bombardier en bas. One shot pas, c'est énervant quand même de pas one shotter les acariens. What? Allez, régène, 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 régène. Quand tu connais. Quand tu connais leur pattern ça va. Là, quand tu connais un petit peu leur pattern, ça va. Ok, j'ai niqué mon endurance pour rien, il va me cracher dessus. Skip. Là je vais stun là je crois, non? Je l'ai pas stun vraiment? Ok c'est bon. Nice ça, c'est bon, parfait. Nickel, ah, j'ai ce qu'il faut. Parfait, on est trop bien là. Honnêtement, on est beaucoup trop bien. Oh, nickel ça. Les fourmis noires, faudrait que je les farme. Ah, j'ai pas regardé par contre le stuff de la fourmi noire. Alors peut-être elle peut être bien. Pas trop check. Par contre, je sais plus, mais je sais qu'il y a un endroit où faire péter avec une bombe. Donc là, en vrai, si je me sens, je descends au retour. Au retour, faut pas que j'oublie. Au retour, faut juste que pas que j'oublie de prendre. Et comment s'appelle les. Faut que je retourne dans la grotte à fourmis. Ah mais il n'y en avait pas dans celle-là. Mais je crois qu'elle était buggée. On va quand même repartir check. On fait un tout droit avec la torche, hein, on va pas se battre, ça sert à rien. Je crois qu'il y en avait un là sous un arbre, non? Ouais là-bas. Ok. Ah, on a.
m'en fais 20, ça me fait 18, ça me fait 18 bandages. Pas insane en soi, mais bon, ça fait toujours 18 bandages en plus.